17 avril, audite pour le débarras, c'est vraiment le cas, de l'ensemble de la collection Antémémoire, stockée dans les entrepôts à Nanterre du ministère de l'Écologie. Alors, première pièce. Voilà, bon, ça fait un petit peu mal au cœur, mais les cartons sont sains, le niveau d'humidité a l'air correct. Et la majorité des grosses pièces sont blistées. À part le cale-porte qui a bien morflé. Voilà, on descend. Hop. Hop. Donc en bas, nous avons Monsieur Colonna. Nous avons Bruno Sanchez de l'association WDA. Et Lionel de l'association MO5 pour participer à l'audit. Rez-de-chaussée, le craie, voilà. Enfin, ce qu'il en reste, et du télémécanique. Bien, on n'arrive pas à retirer les cartes. J'ai tiré un peu, mais aussi. Je vais faire des photos. Je vais faire des photos aussi. En fait, c'était son ordinateur, il t'a dit. Ah, d'accord. Ah, vous avez. Vous n'aviez pas compris. Non, pas du tout. C'est ma machine, ça. C'est la vôtre. Oui, bah, vous la récupérez. Je pars avec sous bras. Il a programmé dessus. Enfin, il a même fait des images. Il a fait un système d'exploitation. Ça, faudrait immortaliser tout ça. J'ai sorti des images de télévision couleur de cette machine. Ah, putain. Numérique, en 74. Avec 30K. Il a fait tous les systèmes d'exploitation, multi-utilisateur, multi-machin. Bon, bah, de toute façon, on fait en sorte de le sauver. Ah oui, oui. J'arrive, je regarde juste en bas, j'arrive tout de suite. Donc, voilà, donc ça, c'était le petit aparté historique avec Monsieur Colonna. Alors, on a un peu d'endroit, fonctionné. Voilà, ça s'allume, ça prend son temps. Si je ne m'abuse, c'est cette porte-là. Encore un mois, désolé. Et on arrive dans la partie qui doit être vidée aujourd'hui. Alors, la lumière ici? Non? Là-bas? Oui, vu. D'accord. Hop. Lionel, 2-5. D'accord. Et voilà, donc là on tombe sur les meubles de l'exposition. Voilà. Et qui vont donc très certainement disparaître, mais qui étaient bien blistés. Et quelques gros monstrosaures bien blistés aussi, dont ils font faire l'inventaire aujourd'hui. Voilà, je coupe.